bonjour à tous and welcome to learn French with Vincent this is unité 14 leçon i uh, it will be the third part of this series of videos that concern les verbes et les prépositions okay. And then, well, a few keywords that we should uh, definitely um, see before starting. Quelqu'un, so because I will use them uh, quite often in these videos. So quelqu'un means someone, somebody. Quelque chose, something. Quelque part, somewhere or someplace. Okay. And we'll start with the first verb, and it's quite useful because it's avoir to have. So let's see the structures that we can make with this verb. Okay. So the first one is avoir quelqu'un. So, you can see that we don't have any preposition right after uh, or right before. Um, then, the second structure we could build or we could make would be avoir quelque chose à. And then the verb that will come after should be at the infinitive form. Okay? Avoir quelque chose à plus infinitif. Or then just avoir à plus infinitif. Okay? So, here are the, the three structures that we can make with avoir. avoir quelqu'un, avoir quelque chose, avoir quelque chose a, plus infinitif. and then avoir a, plus infinitif. verbe suivant, verbe cacher, cacher means to hide. and then cacher quelqu'un, cacher quelque chose. so you can see that we don't have any preposition here. cacher quelque chose a. Quelqu'un. Same thing, no preposition before. Cacher que, and then be careful because it's not because you introduce uh, the structure or the verb with que that it should be at the subjunctive. Because in that case, it shouldn't be at the subjunctive form but indicative. Okay, so cacher que plus indicatif. Okay, so one more time: cacher quelqu'un, cacher quelque chose, cacher. Quelque chose à quelqu'un, caché, que, plus, verbe à l'indicatif. OK Verbe suivant, verbe causer. OK And you can see that the translation is quite easy. Car, uh, causer quelque chose. OK So, no preposition. Causer quelque chose. Or then, causer quelque chose à quelqu'un. D'accord Causer... Quelque chose causer quelque chose à quelqu'un. Actually, it's quite easy, this one. Mm -hmm. Let's see the next one. And of course, it's a bit more tricky. It's the verb changer. Okay, changer. So, first structure, changer quelqu'un, changer quelque chose. Okay, so in that case, you can see no preposition, changer quelqu'un, changer quelque chose. Second structure, changer quelque chose pour. Quelque chose. Ok. Third structure, changer quelque chose contre quelque chose. Ok. So these two structures, the one with the pour and contre, actually they mean the same thing. Ok. Changer quelqu'un en quelque chose. Or well, then it could be changer quelque chose en quelque chose. And the last one could be changer de quelqu'un changer de quelque chose. All right, so one more time. changer quelqu'un, changer quelque chose, changer quelque chose pour quelque chose, changer quelque chose contre quelque chose, changer quelqu'un en quelque chose, changer quelque chose en quelque chose, orda changer de quelqu'un or changer de quelque chose. Verbe suivant, verbe choisir. And then, first structure, choisir quelqu'un, choisir quelque chose. So you can see we don't have any preposition before. And then it could be choisir entre quelqu'un et quelqu'un. In the same way, we could have choisir entre quelque chose et quelque chose. It could be also choisir ce que and then the verb should be at the indicatif right after okay and the last one would be choisir de and the verb should be at the infinitive form okay so one more time mm -hmm. choisir quelqu'un choisir quelque chose choisir entre quelqu'un et quelqu'un choisir entre quelque chose et quelque chose choisir ce que plus verbe à l'indicatif choisir de plus verbe à l'infinitif. Le verbe suivant est le verbe commencer. Ok, and commencer means to start. Ok, first structure, commencer quelque chose. Ok, no preposition, just commencer quelque chose. And then it could be also commencer par quelque chose. D'accord, and then commencer par, and then the verb should be at the infinitive form after, and the last one would be commencer à plus Verbe à l'infinitif. OK, so one more time. Commencer quelque chose, commencer par quelque chose, commencer par plus verbe à l'infinitif, commencer à plus verbe à l'infinitif. D'accord Verbe suivant, verbe comprendre. Comprendre quelqu'un, comprendre. Quelque chose. So you can see that we don't put any prepositions before. Comprendre ce que plus verbe à l'indicatif. Comprendre que plus verbe à l'indicatif. And then comprendre que plus verbe au subjonctif. So you can see that we've got both options here. okay so i won't explain in this video the reason why because i've been uh, doing a video that uh, or many many videos that uh, cover the subjunctive topic Okay, and uh, well, the situations when you should use this indicative or the subjunctive. So, uh, if you're not sure about uh, the difference between the two, then I definitely advise you to watch these videos because, uh, well, you will understand the, the the difference between the two. Okay, one more time: comprendre quelqu'un, comprendre quelque chose, comprendre ce que plus verbe à l'indicatif, comprendre que. Plus verbe à l'indicatif, comprendre que, plus verbe au subjonctif. Verbe suivant, verbe connaître. Connaître is, well, means to know. And then, first structure, no preposition, connaître quelqu'un, connaître quelque chose. Second structure, connaître quelque chose, à quelque chose. D'accord Connaître quelqu'un, connaître quelque chose. Connaître quelque chose à quelque chose. Verbe suivant, verbe conseiller. Conseiller could be translated by advice or counsel. Première utilisation, première structure, no preposition, conseiller quelqu'un. OK. And then, conseiller quelque chose à quelqu'un. D'accord. Then, conseiller à quelqu'un de. And the verb should be at the infinitive form right after. Or oh, then the last one conseiller que plus subjonctif. Okay. So one more time, conseiller conseiller quelqu'un, conseiller quelque chose à quelqu'un, conseiller à quelqu'un de plus infinitif, conseiller que plus subjonctif. OK? Verbe suivant verbe coûter, okay. coûter quelque chose, pas de préposition, coûter quelque chose. Or then it could be coûter quelque chose à quelqu'un. Then coûter de plus verbe à l'infinitif, ok. So coûter quelque chose, coûter quelque chose à quelqu'un, coûter de plus infinitif. And that's it. If you want more videos then youtube.com/imagier. Like me on Facebook, I will be so happy and uh, I'm right here and then more material can be found on the website www.imagier.net. Have a great great day. Au revoir.